Louis Bien, je n'ai. Ah, parfait, on m'entend bien. Vous, vous avez un, un enjeu très important pour vous, je crois. C'est une double approche euh, entre, euh, enfin, qui engloberait le, euh, la santé mentale euh, et le handicap mental et intellectuel. Si C'est-à-dire que pas. les deux peuvent être regroupés sous euh, l'étiquette handicap. C'est-à-dire que pour la santé mentale, eh bien, beaucoup de situations sont en Tant que tel handicapante, après ça dépend de comment et eh bien on se définit le handicap parce que actuellement et eh ben ce n'est pas du tout ça. Dans Notre pays, c'est pas du tout ça. C'est pour ça que je me permets de rebondir sur tout ce qui a été dit. D'une part, parce que je n'ai rien à partager, puisque ce n'est pas vraiment mon but. Je ne suis pas venu ici spécialement pour faire étalage de mon vécu, d'une part, parce que et eh bien il n'est pas forcément représentatif de tout ce qu'a pu vivre. Les personnes handicapées, dans mon cas, les personnes aussi je sais qu'il y a des personnes autistes qui ont très mal vécu le confinement. Je sais qu'il y en a qui l'ont moins mal vécu, mais il y en a d'autres qui sont, qui ont été beaucoup plus malins que ça et se sont dit hey, :« Eh, on va prendre note de tout ce qui a été mis à disposition pour la population. » Et par population, j'entends bien les personnes valides, parce que de base, je ne mets du jugement sur personne, mais je pense que la plupart d'entre vous, spectateurs, quand vous pensez à un être humain, de base, pour vous, de facto, c'est un être humain valide, ça ne peut pas être un être humain handicapé. Quand on pense l'être humain par défaut, eh ben, on ne se l'imaginerait pas, comme moi, qui soit autiste. Ou à la limite, eh ben, on pourrait uniquement se l'imaginer parce que extérieurement ça se voit. Et voilà pourquoi eh ben, certaines représentations me font rire, bah, tenez, juste ici, eh ben, vous avez les fameux pictogrammes réservés place pour handicapés, sauf qu'il y a un problème. Il y a un problème par rapport à ça, c'est... Le handicap ne peut être représenté que par un fauteuil roulant. Moi, je n'utilise pas de fauteuil roulant. Je ouais. correspond plus à l'image de l'handicapé, comme il serait ben, illustré par le pictogramme, toi être monsieur, toi être madame. Et pourtant, je le suis. Mais de base, eh ben, on ne s'imagine pas l'être humain comme étant forcément handicapé. On ne se le représente pas. Eh ben, ça ne fait pas partie de ce qui tique dans notre tête, de base. Et par rapport à ça, eh ben, la population. Général est vu comme valide. Et les mesures qui ont été prises, eh ben, c'était spécialement pour pouvoir accommoder, pour pouvoir rendre plus accessible, plus confortable l'expérience de ces derniers mois, l'expérience Covid-19, spécialement pour les valides, alors que le handicap vient en seconde zone. C'est un, un autre débat, mais qui vient qu'après, qu'en deuxième. Et par rapport à ça, on a pu voir beaucoup d'initiatives prises par rapport au télétravail, par rapport aussi à, à, aux cours à distance qui auraient déjà pu être mis à disposition pour les personnes handicapées, pas forcément que pour les personnes autistes, des personnes aussi qui, dans le cadre de la santé mentale, mais qui pourraient être regroupées sous la bannière handicap, qui font de l'anxiété généralisée, qui sont dépressifs, qui ont un trouble du stress post-traumatique. Là aussi, on peut parler de handicap. Mais il y a une barrière sociétale qui fait qu'il y aura forcément d'un côté le handicap et de l'autre la santé mentale. Et ça se vérifie par les stigmates, les préjugés et les stéréotypes portés par la culture pop à cet égard-là. Les uns sont vus comme de la misère, de la pitié, alors que les autres sont essentiellement vus comme une tare, une nuisance ou une menace. Alors que pour autant, on en gagnerait beaucoup plus à regrouper le tout sous le handicap, parce que dans les faits, eh bien, il y a bel et bien une situation de handicap qui se dégage de ces, de ces vécus-là toute la différence entre le modèle médical et culpabilisant du handicap où on se dit ben je reprends ce que vous avez dit justement les handicapés et eh ben il faut traiter un problème le problème c'est quoi c'est le handicap c'est l'handicapé on va corriger l'handicapé au profit du confort des personnes valides et pif paf, le problème est résolu sauf que c'est pas ça si on prend une autre grille de lecture qui que l'on appelle le modèle social du handicap, eh bien là, on, bah, on pourrait se poser les mêmes questions, mais avec une approche différente. Est-ce que ce ne serait pas non pas l'handicapé, la personne handicapée, qui est un problème à corriger, mais plutôt est-ce que le problème ne viendrait-il pas des structures qui ont failli à leur mission, celle de rendre accessibles des lieux à toute personne, uniquement pour un type de personne Entre autres. Là, on a pu voir au cours de ces derniers mois eh bien, des mises à disposition qui auraient déjà pu être envisagées il y a bien longtemps. Et c'est dire, on n'est pas tous égaux. Du moins, bon, en théorie, oui, on est tous égaux. Et je peux m'en référer à la fameuse loi pour l'accessibilité, l'inclusion dans le modèle éducatif, enfin, dans, dans le domaine éducatif, la loi de 2005 concernant le handicap. Dans la théorie, c'est ça, mais dans la pratique, ce n'est pas du tout ça, à savoir environ près de la moitié, une bonne 49%, 50% des professeurs ne veulent pas d'autistes dans leur classe. Et la plupart, ça se vérifie, ne sont pas scolarisés. Moi, j'ai eu droit à une scolarité ordinaire, d'une part parce que je n'ai pas été diagnostiqué, donc j'ai pu voir tout le problème et le cynisme qui s'en dégage. D'un autre point de vue, c'est un peu l'histoire du poisson un rouge qui est en dehors de son bocal, qui voit tout le problème sauf que c'est pas le cas de tout le monde beaucoup et eh bien certes sont diagnostiqués très jeunes mais ça ne sert à rien d'être diagnostiqué très jeune et là je parle pour tout handicap si à côté de ça et eh ben on met tous les moyens dès que possible pour forcer l'aliénation et la pression sociale sur cette personne-là c'est-à-dire qu'une personne handicapée qui se fait diagnostiquer très tôt et eh bien il est jeune c'est un enfant et il n'a pas de pouvoir les enfants en tant que tels et eh ben, vus comme des personnes comme des individus même pas comme des individus qui n'ont aucun pouvoir ils sont là, il faut qu'ils se taisent et il faut qu'ils encaissent. Et dans le cas des personnes handicapées, ben, on est assez bien placé pour le savoir, puisque on est là, on encaisse. On va au travers de différentes pratiques, différents modules qui sont mis à notre disposition, parce que soi-disant, eh ben, c'est fait pour pouvoir faire en sorte de nous corriger, enfin que l'on se sente plus intègre à la société, alors qu'en fait, eh ben, ça ne se résume qu'à nous dire... C'est toi le problème, il faut qu'on te corrige, il faut que tu l'acceptes, et c'est comme ça que tu devras te percevoir toi-même pour le restant de tes jours. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec des personnes handicapées. Ben, moi, moi j'ai bientôt, bientôt 25 ans, et pour autant, ben, j'ai évolué dans un milieu qui a favorisé ma prise de conscience par rapport à tout ce cynisme. Donc, et ben, je suis plus amené à remettre en question. Et à le verbaliser, que d'autres personnes qui, tout jeune, eh ben, ont été diagnostiquées dans un contexte qui n'a pas du tout été favorable à leur prise de conscience, à l'épanouissement à de leur autodétermination, de leur sens de auto, leur autodétermination et de leur. et la volonté de faire valoir leur, leur droit au respect, à la dignité, et qui se disent, à mon âge, qu'ils ne sont rien du tout, qu'ils sont juste là pour exister en tant que faire valoir pour autrui, cher à pitié, cher à misère pour les autres, ou menace si jamais ben au cours de leur vie ils ont fini par contracter un trouble psychique qui les classe dans la catégorie dangereux psychopathes, pour reprendre les termes de la culture populaire. Comment elle se concrétise cette stigmatisation et comment il est possible de lutter contre euh, C'est là que euh, intervient la partie qui n'est pas si évidente que ça, puisque euh, on s'imagine que c'est aux handicapés de faire 100% du taf, alors que une bonne répartition, et ben, ça manque encore. C'est-à-dire que les ouais. handicapés, de leur côté, et bien, certes, il y en a certains qui au cours de leur vie, eh ben, finissent par déconstruire cette image négative qu'ils ont eue d'eux-mêmes en se ressourçant auprès d'autres personnes handicapées qui euh, eh bien, leur, appren leur apprennent tout simplement à, à vraiment s'apprécier eux-mêmes, à, à s'apprécier et à faire valoir leurs droits, à les exprimer, à les défendre. Mais encore faut-il que la partie adverse écoute ce qui a été dit, ce qui est proposé. Et ce n'est pas vraiment le cas, vu la situation actuelle. C'est-à-dire que ça se ressent, d'ailleurs, ben, je les compte presque je les compte sur les doigts d'une main, le nombre d'associations où les handicapés sont réellement capitaines de leur propre mouvement, pour leurs droits, pour leur initiative, et j'en passe. Et ce n'est pas une majorité, ce n'est pas comme ça que l'on se représenterait même l'handicap. On se dit forcément que... Ce doit être les personnes valides, qui ne sont pas handicapées, qui doivent être aux commandes d'un mouvement. Parce qu'on a cette idée que la personne handicapée, eh bien, elle en est totalement incapable. Elle ne peut pas le faire. Et c'est là eh bien, toute la différence, la confusion insidieuse entre assistance et, de l'autre côté, contrôle. Être dépendant d'une posture qui se révèle être au final paternaliste, où la personne handicapée n'a aucun contrôle sur ce qu'elle dit, sur ses propres décisions. On est là uniquement pour assister, il faut assister pour aider la personne handicapée là où il y a des difficultés, mais pas en profiter de cette position de, cette position de pouvoir immense dont beaucoup eh ben, ne se rendent même pas compte, pour contrôler les moindres faits et gestes, les moindres dires de la personne handicapée. Et ça se rejoint aussi sur le manque d'accessibilité aux à la possibilité de faire valoir son droit à la communication, à la possibilité d'utiliser son propre mode de communication. On s'imagine que la communication, ça ne peut être que par oral ou par écrit, Un secondo. Alors que des personnes handicapées, ben, il y en a qui ne communiquent pas à l'oral, mais qui pour autant et bien, communiqueraient beaucoup plus facilement à l'écrit ou alors par la langue des signes, le mocaton et j'en passe. La communication, et ben, elle est très multiple, elle est vraiment multiple alors que la parole, ben, c'est que la partie visible de l'iceberg, pratiquement. Et peu de moyens sont mis à, à disposition de la valorisation des modes de communication alternatifs. Trop peu.